Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, je me décale vite fait, poignée avant lourde. Je viens de faire un top 1 avec cette arme et on va se servir du nouveau système qui a été repris, je pense, inspiré d'Apex. Il va y avoir beaucoup de gameplay à la zipline, il va y avoir de la temporisation dans le gaz grâce au nouvel atout qui te fait une bulle d'air pendant 10 secondes. C'est complètement ouf. Je vous laisse regarder ça, on est sur la nouvelle saison, pensez au code CHOH1. Des bisous, peace. Un des points super positifs, les gars, qu'il faut pas au... Parce que, on est les gars, on est français. Donc, c'est normal qu'on dise les points négatifs en premier. On est comme ça. Mais il faut pas oublier les points positifs du colis qui tombe super rapidement et qui nous permet de moins se faire chier et qui dynamise beaucoup plus tout le jeu, tu vois. C'est top. Ça et les ziplines, c'est un bon truc. Après, évidemment, voilà, c'est Activision, c'est des gros fils de pute. Ils peuvent pas s'empêcher de faire de la merde, tu vois. Là, par exemple, vous voyez le nombre de primes sur la map? Il y a quoi? Il y a... Là, il y en a 4, mais là, il y en a 0, 0, 0, 1. Mais, sachant qu'il y a plus de drones et qu'il y aura moins de primes, les campeurs sont beaucoup plus comme des rois, j'ai envie de dire, tu vois. Je sais pas si vous le voyez sur votre écran, je suis ralenti par le jeu. Oh, mais c'est quoi ça? What? 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 Il a l'air super bien. Ok. Ils ont augmenté la rapidité de visée du Kara. Intéressant. Waouh. Ok. D'accord. Est-ce que les flashs font toujours péter les trucs? Alors peut-être... Ok. Ça a vraiment été patch ça aussi? Je fais mes petits tests les gars. Je suis pas en mode Big Slayer. J'ai déjà fait ma win de la journée. Oh, écoute-moi bien, Lenarix du 02. C'est toi qui es caché dans un souterrain, tu es caché tel un rat. Et moi, je descends avec un sniper pour t'arracher la pommette et tu râles. Oh, mets-toi à genoux, prosterne-toi. Caté. Putain, j'ai envie de faire la... Les gars, j'ai envie de faire la game avec ce car. Comme ça, on peut retester la Wellgun, tu vois. Et en même temps, on teste le car. Ça pourrait être cool. Et comme ça, on se saoule pas trop des armes en x3 direct, tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'était Lamborghini du 17. Ah ouais, apparemment, ça sert plus à rien de voler de côté aussi. J'ai lu ça. Ouais, c'est ça, tu suis Boot Flikov. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Ah ouais, ouais. Putain, ce kill, il est complètement ouf, vous trouvez pas? Attends, mais il est passé où le mec là? Frappe aérienne déployée sur mes coordonnées. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Aucune victime sur ce raid. Ok. À droite, à droite, à droite. J'ai pas été bon, hein, les gars. Mais après, le fait qu'il n'y ait plus de drones, on va dire que pour un joueur comme moi, ça va changer complètement mon gameplay. Mais ça va faire que mon taux de victoire... En fait, moi, je suis dans une chasse constante, tu vois. Je suis en mode, ok, j'ai fait le kill là, où est-ce qu'il y a un shop pour acheter un drone, pour aller refaire un kill, tout ça et tout. Alors que là, je vais devoir ouvrir ma map. J'ai un autoréa.
J'ai plus rien à acheter, je m'en bats les couilles. Et je vais devoir me dire, ok, je dois aller là maintenant. Sauf que, pour aller là, je vais devoir traverser ce compound, Genre, c'est risqué. Ce qui fait que je vais prendre beaucoup plus mon temps, les gars. Genre, je vais me balader tranquille. Ce qui fait que je vais avoir des games avec moins de kills. Mais par contre, mon taux de top 1 slash top 10, il va être insane sur cette semaine. Je pense que, honnêtement, je pense qu'une game sur deux que je vais lancer, je serai dans le top 10. Pourquoi il n'y a plus de drone? Parce qu'il voulait faire de la merde, au moins sur un point, tu vois. Il voulait pas qu'on ait une mise à jour vraiment, vraiment bien, tu vois. Enfin, à 100%. Tiens, ils sont comme ça, tu les connais. Et Jojano, il est beau. T'es regarde. Et quand je suis à 10 mètres de ma frime, elle disparaît. C'est pas con, ça. Alors, par contre, je sais où est-ce qu'elle était. Mal joué. Bien joué, mec. J'ai mal... Là où j'ai mal joué, c'est que j'aurais dû partir... D'où tu fais... tu vois? C'est ce genre de move où je dois m'améliorer. Tu vas pas faire une glissade dans une montée, ton move il est trop court. Alors que si j'avais pris l'autre côté avec la descente, je l'aurais déchiré. Mal joué. Super dur le nouveau goulag. Il te plaît ce car? Il est sympa. En fait moi à partir du moment où un car vise vite, je suis content. Si tu aimes les histoires de voitures, tu devrais... J'aime les histoires en général. J'aime bien l'histoire. Tu devrais lire comment Ford a humilié Ferrari dans les années 60. Oh merde. Deux fois il m'a baisé lui. Hein. Ah, fais chier. Putain, pile quand je te regarde frérot, il y a ce fils de pute au milieu de la route. Vraiment là, j'aurais bien aimé avoir un petit... Alors, test numéro 2. Est-ce que les flashs refont péter les bonbonnes? Les flashs ne font plus péter les bonbonnes. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'il y a 3 mecs qui sont en train de se doser comme des tarés là en bas? Il y a personne qui est venu au-dessus? C'est salope. Tiens, tiens-moi ça. Je peux plus glisser, je sais pas pourquoi. Elle est trop géniale la Wellgun, les gars. Genre, la Wellgun est trop géniale. Ça me rappelle CS quand je jouais Tech9 avec AWAP. C'est bon souvenir, ça, les gars. Allez go. Oh le rush B Tech9. Tu prends juste un Tech9, une flash. Tu balances la flash au contact. Et tu gueules rush B bliette. Et t'as tes potes polonais qui te suivent. Rush B, rush B, rush B. T'es le deuxième. Et tu vois le premier qui fait un petit virage pour aller B court. Là tu lui insultes sa grand-mère avant de prendre sa place pour rusher. Et t'y vas. On sait ce que c'est les gars. Ce fils de pute qui tournait parce qu'il avait peur de rusher. La merde au cul. Vous avez vu ce largage qui tombe super vite? C'est incroyable. Cette modification là de masterclass. GG. Ah oui, je voulais jouer avec cette arme. Alors du coup, on va tester la Wellgun comment. Ah, même le nouveau viseur de comment elle vise la Wellgun. Je la trouve géniale les gars. Ok. Et là on a cette nouvelle arme les gars, elle s'appelle Whitley. J'ai repéré un mec là-bas, donc je vais vous montrer un peu comment marche Whitley. On va voir si elle est forte, si elle est pas forte, est-ce qu'il faut la monter comme je l'ai montée moi. On va voir. La réponse tout de suite grâce à cette personne.
Ok, en 3 balles, il est crack. Et t'en rajoutes 2 de plus dans la tête, il est mort. Ce qui fait que quoi? En 10 balles, je l'ai tué? On a de la chance, on a un chargeur de 80. Au cas où on soit des débiles profonds. Ça va être le paradis des campeurs. Mais... on dirait... ce qui m'a mis par contre, on m'en... ah, je veux bien... J'avais pas pensé à ça. Je viens de tilter. Mais vu que... J'ai juste à connaître les stations de saut par cœur et sauter d'une station de saut à l'autre. C'est un mec. Hey, fuck you, motherfucker. Alors, t'aimes bien backstab, mon grand? Alors, ce move, les gars, c'est exactement ce qui devra se passer, tu vois. Ah ouais. Ok. C'est quand même très peu. Ok. Donc, grosso modo, ce sera un chargeur et demi d'AR. Tu peux la réparer. Tu peux la réparer pour 500 euros. Les gars, pour la station Prime, si vous voulez m'aider à la réparer. Ok. Réparer pour 500 $. Ah, c'est... ce qu'il va y avoir beaucoup comme un nouveau move. Enfin, je dis nouveau move, mais c'est pas nouveau. Regarde, c'est ça. Oh non. Oh non. Oh non. Regarde. Alors déjà, lui, c'est un enfant de pute. Mais regardez juste derrière moi. Ah putain. Juste derrière moi, il y avait un mec. Hein. Tellement la dame de la cantine. Je pense que c'est fini les games avec 20-25 kills sans drone. Ces zip, ça va faire beaucoup de pangolinerie, tu vois. Donc pas forcément. T'as marrant toi. Allez. J'ai trouvé de l'argent. J'ai trouvé de l'argent. Bonne chance! Oh, oh sa grand-mère! Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça!
ce roi. Il est sérieux? Il joue un peu comme un gros fils de pute, lui, quand même, non? En gros, il m'a décalé par là-haut, il m'a mis à 1 HP, il m'a pas rushé. Il m'a décalé par là, il m'a mis low, il m'a pas rushé. Voilà. Putain, ça a été chaud ce fight, hein. Il me restait plus que 34 balles pour le tuer. Par contre, regardez le shield, les gars. Regardez bien le shield. Ça, c'est super aussi. On en a pas parlé. Certains l'ont pas vu. Mais maintenant, le shield, au lieu de compléter la première plaque qui est cassée, ça fait comme sur Apex. Ça fait progresser le shield. Après 2 ans, ils ont enfin réfléchi à ça. Je trouve ça super. Rat. Qu'est-ce que c'est? Il est super joli, ce pistolet, hein. Oh, ça, c'est un beau pistolet, hein. En gros, ce mec... Oh là là, la gueule, sans déconner. Frérot, qu'est-ce que t'étais en train de faire? Qu'est-ce que tu faisais caché là-haut, accroupi, à faire des décales rapides? Oh là là. On a TTV, Mac, Striker One, tiré du bas 0,94. Oh là là. Oh, celui-ci, les gars. Là, on a un client. Cette salope, il est en train de faire que descendre. Oh là. Bah, écoute, je vais prendre la hauteur. Je vais venir te faire la bise. Naughty TV, toi tu mérites. Oh, il avait le truc à gaz. Oh, il avait ça. Oh, il avait ça aussi. Eh ben, on est gâtés, hein. Yannou. Ok. Alors. Je sais que t'es là-haut, donc... Voilà. Maintenant que t'es crack, t'as la pression. Saute. Meurs. Ouais. Alors là, les gars, le petit truc que j'ai, qui ressemble à... C'est quoi? Je sais pas trop à quoi ça ressemble, les gars. On dirait peut-être une vessie de vache, ou une vache de profil. Genre, tu sais, quand on rate ses fesses... Elle a les deux antennes pour ses oreilles. Elle a le côté plus large. Oh merde, je vais crever parce que je parle de vache. Oh, ça a pas touché. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, la rotation bord de zone. Chaud, la rota. Chaud, instinctif. Et chaud qui trouve sa position. Allez, feu. Mais la clé USB, sinon. Il n'y a pas besoin de clé USB pour gagner une game comme ça. Faut juste que j'élimine tous les facteurs d'erreur, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis en zone. Regardez. Je suis sur le bord de zone ici. C'est-à-dire que. Donc, je vais rester là tranquille. Par contre, je compte bien utiliser le nouveau système là. Apparemment, ça crée un espace dans la zone où tu peux respirer, je sais pas quoi. Alors, les gars, là, ce que je vais faire. Du coup, c'est que je vais tenter cette nouvelle stratégie de la temporisation dans le gaz. En fait, j'ai peur de mourir après en l'essayant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Oh mon Dieu.
Oh mon dieu. Ok. Ok, donc là je suis safe apparemment ici. Alors comment ça marche? D'accord. On va en foutre un. Ah du coup je peux respirer de l'air, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est abusé, 10 secondes. Ce qui fait que j'ai pu faire une temporisation en gardant le high ground. Ce qui fait que bah, là mon masque va péter pile au bon moment et je vais gagner la game. Trop bon. J'ai vite compris. Oh man, you're so fucking lucky with the zone. What? What? Yes, you're fucking lucky with the zone. Yeah. With the shrink, I'm lucky, man. I'm lucky, man. See you, my friend.